Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur On ne vous demande pas d'y croire. Christelle sera avec nous pour assurer la modération du chat. Et comme d'habitude, elle me transmettra vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission. Je fais de gros bisous à Christelle, que j'ai rencontrée d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur Marseille. Donc, encore un gros bisou. Alors aujourd'hui, bah, j'accueille bah, une médium, peut-être une des plus médiatisées en France en ce moment. C'est un honneur pour moi de recevoir... Anne Tufigo, Anne Tufigo, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Philippe, avec grand plaisir de d'être parmi toi là dans cette dans cette émission. Alors on va... dont on me parle beaucoup. <laughs> merci. Alors on va parler signes, on va parler synchronicité, on va parler de tout ça aujourd'hui. Et j'ai une première question que j'aimerais te poser et ça va, on va rentrer comme ça dans le vif du sujet. Je voudrais que Mais... tu m'expliques ce qu'est un signe. Est-ce qu'il vient forcément de l'au-delà? Et est-ce que. Alors, il y a plusieurs questions en une. Hein. Est-ce que seule la personne concernée peut l'interpréter tu, tu commences fort Ah ouais, ouais, direct, <laughs> moi euh, Allez, je vais te. Tu, tu me parlais de, de quelqu'un euh, à qui tu avais posé une, une question aussi philosophique. <laughs> je vais essayer de te donner ma définition, parce qu'il y a autant de définitions, j'imagine qu'il y a euh, de gens et d'intervenants, etc. C'est la tienne qui m'intéresse, évidemment. Et bien sûr euh, je dirais qu'un signe est une trace visible euh, du monde invisible. Voilà. C'est une perception euh, terrestre, euh, en général aussi euh, sensorielle, euh, d'une euh, présence euh, invisible et, et extrasensorielle. Euh, extra euh, J'aime beaucoup, euh, pour, euh, pour, pour prendre une métaphore, euh, l'idée du signe, se euh, signer euh, quand on est, euh, on est croyant. On se signe et je trouve que c'est une jolie ponctuation de la foi, un signe aussi. Voilà, euh, se signer, euh, les catholiques le font euh, vraiment euh, comme ça. Ben c'est une façon de marquer sur son corps euh, une foi qui est impalpable. Et ben un signe de l'au-delà, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'il faut, il faut forcément avoir la foi pour, euh, ben pour reconnaître ces signes? Il faut, il faut un temps soit peu être euh, à l'écoute euh, du monde qui nous entoure et aussi à l'écoute de soi-même. Euh, C'est important parce que euh, bah, dans notre quotidien, on est souvent, euh, on est rivé... Euh, euh, dans notre routine, euh, sur nos écrans, euh, dans notre mental. Et, euh, et en fait, on se coupe euh, une perception euh, euh, qui est précieuse, hein, qui, qui est celle de cette connexion entre euh, le, les plans visibles et les plans invisibles. Et il faut, je dirais qu'il faut, il faut pratiquement être euh, euh, ouvert et, et à l'écoute de, de toute cette. Moi, moi je dis que euh, les signes, la sémiologie, en fait, c'est un langage oublié, c'est un langage. Oui, pour moi, c'est un langage oublié. C'était le langage universel euh, que nous parlions tous. C'était le langage purement intuitif, certainement avant que le langage, d'ailleurs, euh, la linguistique euh, n'arrive. Euh, je je, je n'ai pas de confession euh, particulière, mais j'aime beaucoup euh, euh, les textes bibliques que je considère euh, des, comme des textes mythologiques. Mmh. Et si on reprend le mythe de la tour de Babel, eh bien, euh, c'était un peuple qui, qui vivait uni et qui parlait un seul langage et qui, un jour, s'est érigé au-delà de la puissance divine et ça a courroucé le créateur qui s'est dit mais non comment vais-je faire si ce peuple qui est le mien euh, commence à dépasser mon propre pouvoir je vais donc les disperser aux quatre coins de la planète je vais mélanger les cultures et créer des langues différentes ainsi mmh se retrouver euh, dans la cacophonie de leur langage sans jamais pouvoir s'unir et ben je trouve que c'est ça c'est euh, la, la sémiologie c'est le langage qu'on parlait avant de parler euh, français espagnol chinois euh, et, et, et on, a tous, on peut tous avoir accès euh, à ce langage premier selon moi et est-ce que tout le monde peut les interpréter de la même manière un signe qui, qui affecte quelqu'un euh, si la personne est juste à côté d'elle, est-ce qu'elle est qu va se dire ⁇ Ah, oh, là, tu viens de recevoir un signe ⁇ ou alors ça ne concerne vraiment que la personne et là, c'est une question de ressenti. C'est ça, un signe, c'est quelque chose d'intime et de personnel et d'unique. L'univers nous connaît par cœur. Quand je dis l'univers nous connaît par cœur, c'est qu'il connaît notre champ référentiel, notre champ culturel, notre champ pédagogique, spirituel. Euh, voilà, c'est ça notre univers référentiel. Il sait exactement, euh, j'allais dire, sur quelle touche appuyer, quel signe envoyer. Euh, et parce qu'on me pose la question, tu imagines, des dizaines de fois par jour, euh, un signe provoque spontanément une émotion. Il y a quelque chose qui se crée. Quand tu vois un arc-en-ciel dans le ciel et tu te dis tiens, mais c'est ça, c'est symbole que la journée va être belle ou alors il faut que je fasse un vœu, tu es avec ton mental, tu es aussi dans euh, ce qu'on qu appelle en fait les archétypes, hein, euh, notre bibliothèque à nous, mais là tu es dans la réflexion. Quand tout d'un coup tu reçois un signe et qu'il y a une émotion qui se crée, euh, c'est déjà que tu es dans l'envoi sémiologique euh, personnel. Et donc il peut y avoir 15 personnes euh, pour un même papillon qui passe. Euh, le papillon ne s'adresse qu'à une personne à mmh. un moment, mais c'est un moment parfait pour celui qui peut-être la veille a pensé à sa grand-mère qui avait mmh. un jardin rempli de papillons, etc., etc. Euh, le, la, le dépôt d'un signe, c'est un dépôt parfait dans un monde imparfait. Mmh. Alors qui nous les envoie ces signes Alors tu parles à un moment dans ton livre des aiguilleurs du ciel. Oui. Euh, qui sont-ils Est-ce que on a tous qu'on a tous des signes, on les voit ou on les voit pas, mais on les a tous. On les a tous, on les a tous, on les reçoit tous. Euh, oui, j'ai essayé un peu de, de différencier les, les inter, interlocuteurs célestes. Mais oui, parce que c'est, oui, on a l'impression que c'est une joyeuse cacophonie ou c'est un joyeux bordel de l'autre côté. Il est très euh, riche ton livre. Hein. <laughs> vraiment, vraiment très très riche. Difficile de tout résumer là en quelques mots. Exactement. Minutes. J'ai voulu tout du moins distinguer, euh, parce que dans, dans le mot guide, ange, alors déjà, il y a un champ culturel et un champ euh, lexical très différent selon les cultures, selon les pays, donc on se mélange un petit peu les pinceaux, euh, mais je voulais distinguer vraiment nos guides, nos guides spirituels, c'est-à-dire que quand nous allons venir nous incarner sur Terre, euh, nous allons avoir, aller un guide tutélaire, euh, notre, euh, voilà, notre, tu sais, notre, celui qui va nous retenir par la manche euh, au moment où on va peut-être... Euh, mal sans, sans brancher dans un chemin, de tous ceux qui ont composé notre vie terrestre, qui sont euh, ce que j'appelle les défunts, les désincarnés, et qui eux continuent d'œuvrer à nos côtés euh, malgré... Euh, le passage à travers, à travers le voile et que j'appelle les guides terrestres parce que c'est très difficile de trouver une terminologie adaptée et j'essaye d'expliquer que selon l'importance, euh, nos guides peuvent interagir avec nous sur notre chemin de vie, euh, nos défunts tentent de le faire en étant les meilleurs conseillers pour nous et aussi de, de continuer euh, d'œuvrer à nos côtés euh, par rapport à, à, à ce qu'on a déjà fait ensemble et surtout… Euh, on passe de l'autre côté du voile, et eh bien auprès de ceux qu'on a aimés, on a laissé des belles actions, mais on a aussi laissé euh, euh, des cadeaux un peu empoisonnés, euh, des remords, des rancœurs, des oui, responsabilités, oui. des chagrins. Donc c'est aussi leur façon de, de continuer à, autre, à être auprès de nous. Et donc les messages sont parfois différents et les signes aussi le sont. Mmh. Est-ce peu qu'on ch peut choisir, nous, sur, euh, sur notre plan terrestre euh, qui peut nous envoyer des signes Je ne sais pas si on avait une confiance absolue en notre grand-mère ou notre arrière-grand-mère et, euh, et on se dit, si j'ai des signes à recevoir, je voudrais que ça soit, ça soit grand-mère qui me les envoie. Est-ce qu'on est qu peut choisir, nous, de notre plan, qui nous envoie là Ou alors c'est là-haut qui commande non, En fait, il y a, y a un seul vecteur qui est essentiel entre un émetteur et un récepteur c'est l'amour qu'on se porte. Voilà. D'accord. Donc. Euh, à partir du moment où on est dans ce, dans ce lien d'amour qui perdure, eh ben ce sont nos meilleurs facteurs, évidemment, facteurs célestes, hein, euh, pour le coup. Et, et, et c'est pour ça que des fois, les gens me disent, euh, euh, mais est-ce que je pourrais avoir un message de mon arrière-grand-mère que je n'ai jamais connu Et je leur dis, mais fichtre, pourquoi, euh, hormis le fait peut-être que vous ayez un point commun dans votre vie, c'est-à-dire qu'il y a un fil euh, qui sous-tend euh, une lignée transgénérationnelle et qui est peut-être frappé euh, des, euh, des mêmes faits, euh, des mêmes schémas de répétition, mais le seul carburant qui nourrit un signe, euh, c'est l'amour. Oui, et, et les guides, euh, les anges qu'on n'a peut-être pas connus sur le plan terrestre, quand même, nous envoient des signes aussi. Oui, mais mon cher Philippe, pour nous supporter toute une incarnation à regarder vos conneries, <laughs> je peux te dire qu'il faut nous aimer très fort, hein, euh, et d'autant plus si on s'appelle Poutine, Staline et Hitler. Hein. Il faut vraiment nous aimer beaucoup et et, et et ils sont aussi dans ce partage d'amour c'est pas parce que euh, n'ont pas eu de d'incarnation terrestre à nos côtés qu'ils ils ne sont pas euh, euh, ce, ce sont nos euh, nos référents euh, nos référents célestes et, euh, et ils sont évidemment à notre service euh, dans dans l'accompagnement de cette euh, lourde mission dans laquelle on s'est on s'est lancé donc oui il faut il faut beaucoup nous aimer pour ça est-ce qu'il faut demander j'ai entendu souvent euh, des, 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 des personnes que j'ai interviewées qui me disent qu'il faut demander, puis il y, a une sur, il y a surtout une façon de demander des signes, euh, peut-être pour aller sur un chemin que l'on a bien, bien cogité avant et qu'on espère, enfin un projet, etc. etc. Est-ce qu'il est qu y a une façon de le demander Est-ce qu'il faut le demander hein Alors, bien sûr. Le demander, c'est l'autoriser. Voilà, c'est... Tu sais, c'est comme comme tu deviens un émetteur, bah tu, tu tournes l'interrupteur, tu allumes la lumière, tu... Euh, voilà, tu, tu allumes le haut-parleur. Bah de la même façon, tu vas te... Tu vas demander à recevoir un signe et c'est déjà une, une énergie que tu envoies, en fait. C'est déjà une énergie que tu as canalisée et que tu envoies euh, sous, forme, sous forme de requête. En ce qui concerne le modus operandi, moi, je suis un petit peu moins... Euh, euh, voilà, je suis je suis un petit peu moins protocolaire que mes euh, confrères et consoeurs. Encore une fois, euh, vous pouvez le faire euh, la tête posée sur l'oreiller, euh, le chanter à l'église, euh, le crier tout haut dans votre maison ou le chuchoter à votre chien. On s'en fout. Euh, le ciel entend tout. Et euh, la, la seule, euh, le seul carburant, c'est l'intention qu'on y met. Et, et comme tu le dis très bien, parce que c'est très juste, euh, ce n'est pas la façon dont on va le formuler, c'est l'intention qu'on pose et surtout le fait déjà au préalable d'avoir posé une véritable question, parce que je pense que c'est réellement ça. Euh, très souvent, euh, je dis euh, dans mes livres ou euh, dans mes conférences oui. que euh, euh, l'idée, ce n'est pas de se claquer les genoux sur le prix Dieu et de dire <laughs> ⁇ Aidez-moi <laughs> Ça serait malheureux. <laughs> ⁇ mais, mais Philippe, on le fait tous, en fait. Oui, c'est vrai. À quel moment s'incline-t-on et demande-t-on de l'aide et, 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 et si Dieu ou les anges pouvaient nous répondre de, dans, dans, dans un haut-parleur, ils nous diraient Mais qu'est-ce que tu veux <laughs> Mais voilà, que veux-tu vraiment Qu'est-ce que ça serait t'aider, finalement Et euh, tant qu'on n'a pas su résoudre cette équation personnelle, euh, eh, bien, eh bien, on n'a on a, on a souvent pas de réponse. Et est-ce que toi, personnellement, tu. Bah, tu... Tout bon, grand, tu demandes, euh, et toi, comme tu as des capacités pour communiquer avec l'au-delà, est-ce que tu as des réponses peut-être plus rapides que nous alors je, je tu sais c'est comme si tu étais en train de me dire anne tu es bilingue allemand est ce que tu comprends mieux euh, l'allemand que quelqu'un qui est en, en au, au collège en première année d'allemand je te dirais bah, c'est normal je, je suis bilingue j'ai travaillé cet outil c'est à dire que euh, j'ai appris depuis longtemps à intégrer cette nouvelle forme de communication dans ma vie euh, c'est pour ça que je, je suis donc plus à l'écoute. Euh, effectivement j'ai aussi des, des, des facultés, mais au-delà de mes facultés médiumniques, j'ai aussi des facultés d'observation et, et bien sûr que je demande, je demande très souvent. Euh, alors c'est pas demander comme on fait une liste à Noël, hein. euh, c'est vraiment de, de demander dans des moments, euh, dans des moments clés ou, ou dans des moments de chagrin ou des moments où on n'a plus d'énergie ou où, euh, où on, on, on est perdu, on n'a on a plus de visibilité, on n'a plus de GPS. Voilà, c'est une façon aussi de, de demander un peu d'éclairage. Et il y a toujours une réponse à recevoir pour celui qui demande. Mmh. Alors, on se demande des fois euh, si euh, ces signes, on les écoute ou on ne les écoute pas, mais parfois, euh, bah, ces signes ils nous emmènent, euh, bah, je vais mettre des petites guillemets, mais, mais dans le mur aussi. Euh, Est-ce que, est que, à ton avis, il y a le destin, il y a des choses qui sont inexorables, qui vont, qui vont arriver quoi qu'il en soit Et, euh, Je prends l'exemple dans ton livre de Jules César. Euh, ouais, qui a plein de signes, ouais. euh, ben, mais il se fait quand même assassiner, voilà. Alors, mais est-ce que là a une question de mort là carrément, est-ce que oui. il aurait pu y échapper ou alors est-ce que c'était le le son destin de de mourir et, 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 et c'était inexorable quoi, que c'était ouais, les, les romains et les grecs euh, avaient euh, évidemment dans leur, dans leur foi euh, cette euh, inexorable croyance qu'il ne fallait pas euh, contrer les désirs des dieux, parce qu'on euh, était dans une religion euh, polythéiste, et donc en aucun cas il ne fallait courroucer les dieux et aller contre les plans divins. C'est ce qu'on appelle le fatum. Euh, donc, quand bien même César, dans les îles de Mars, hein, euh, euh, qu'on fête le 15 mars euh, voilà, euh, en Grèce, et euh, donc qui correspondent justement à, à l'assassinat, de Jules César, euh, ses augures, euh, euh, l'astrologue, sa femme euh, euh, lui donne des indications. Mais en fait, voilà ce, ce que disaient les Romains à l'époque c'est que on ne contre pas les plans divins. Ah, voilà. C'était ça. Euh, donc oui, il y a cette idée du fatum c'est le, le destin inexorable. Euh, je pense pour ma part qu'on a d'abord on choisit la mission qu'on va venir euh, incarner sur Terre et que de toute façon il y a des grandes rencontres, des grandes épreuves et des grands rendez-vous euh, que, que nous avons. Euh, les signes nous permettent euh, de mieux gérer le temps, de mieux gérer nos émotions, de mieux, mieux gérer la résilience et de ne pas se perdre dans, dans une déperdition d'énergie qui nous empêcherait euh, d'en sortir plus. Vite ou d'être plus clairvoyant quant à euh, l'apprentissage que nous donne cette épreuve. Voilà, c'est mmh, ça. Mais euh, est-ce que ces signes, bon, alors, il y a beaucoup le mot signe hein, dans cette interview. <laughs> est-ce que ces signes, ces synchronicités qu'on reçoit, euh, est-ce que elles viennent pour euh, que l'on réussisse sa mission d'âme Donc, avant notre incarnation, on aurait choisi un, un destin, des, des épreuves. Qu'importe. Si elles sont douloureuses ou pas, même vraiment très douloureuses, pourquoi pas? Mmh. Ou alors, ces signes, ben c'est pour notre, pour notre bien sur Terre, pour, yeah. pour qu'on soit heureux sur Terre. Parce qu'on peut recevoir des signes qui nous envoient, j'en en parle encore, dans le mur, exprès pour qu'on on fasse une telle ou telle expérience, doul, si douloureuse soit-elle. Il n'y a pas de signe qui nous envoie dans le mur. Il n'y a, a que des signes qui nous préviennent de l'épreuve que nous allons vivre mmh. et qui nous permettent de l'intégrer un peu plus facilement, en fait. Euh, le choix nous revient d'aller dans le mur ou pas. Et très souvent, qu'est-ce qu'un signe euh, Je te donne un exemple parmi 3 millions. Mmh. Euh, voilà, je suis dans la comptabilité. Moi, certainement pas. Je suis dans la comptabilité. Euh, je cumule les emplois, les CDI. Euh, le premier dure 3 ans, ça se passe mal. Je subis du harcèlement, je me fais virer, choisis un autre, je retombe sur le même et comme d'un fait exprès, dis donc, celui-là ne dure que six mois, je vis euh, le même calvaire avec un patron euh, égocentrique, je n'ai toujours pas compris, je vais rechercher un CDI parce que dans ma tête, et en fait on pourrait se dire... Qu'est-ce que tu n'as pas encore vu dans cette succession de <laughs> schémas de répétition Et les questions que tu dois te poser, c'est, était-ce euh, vraiment ma voix Qu'est-ce que je cherchais à m'acharner euh, dans, ces, dans ces schémas de répétition Ce sont des signes préventifs. En aucun cas, ils sont en train de nous dire, vas-y, retrouve-le, ce ouais, poste. C'est pour dire, est-ce que maintenant, tu as compris Voilà, c'est ça. Nous te remettons sur la route, inexorablement, les mêmes personnages, les mêmes situations, les mêmes conditions. Qu'est-ce que tu dois en comprendre est-ce que là, j'ouvre le champ, hein, évidemment, tout dépend des personnes, mais euh, qu'est-ce que tu places dans le mot sécurité par rapport à ton travail euh, Ou alors, est-ce que ce travail que tu as choisi correspond à tes propres désirs ou ceux de quelqu'un que tu veux combler euh, Voilà, ou petit 3, euh, n'as-tu pas quelque chose à régler dans ton rapport aux hommes et à la soumission Et n'est-ce pas là, encore une fois, une façon de te montrer que tu as quelque chose à gérer par rapport à eux Voilà, ça, ça peut être euh, des, de, de la prévention. Un signe vient toujours. Euh, comme le médium d'ailleurs met des petits coussins un peu euh, euh, sous les fesses des gens pour que la réception soit un temps soit un temps soit peu moins, moins douloureuse, euh, ça n'empêche pas les épreuves. Quand tu reçois en consultation des personnes, est-ce que elles te parlent de leurs signes Est-ce que tu les interprètes différemment de ce qu'elles pourraient les interpréter Est-ce que tu peux leur oui. Le, voilà, les remettre sur une voie en fait qui oui. n'est qui n'est pas une voie de garage pour elle quoi et oui j'essaye je, des fois ça, ça, ça me saute aux yeux ou alors je, il me raconte euh, voilà des, des anecdotes des, des histoires et pour moi je me dis waouh mais vous, vous rendez compte enfin voilà euh, parfois et eux, eux tu sais que quand on est quand on vit quelque chose on a le nez collé à la vie oui. euh, de notre existence et, euh, et on se rend pas compte de choses qui pour les autres euh, euh, sont sont vraiment des, des voilà de, on dit, l'expression dit, la paille dans l'œil du voisin quand on voit pas la poutre dans le sien, bah c'est exactement ça et je les aide à dire, mais regardez là déjà à ce moment-là, euh, n'aviez-vous pas un clin d'œil Voilà, c'est plutôt les, recontextualiser et, et redonner une autre lecture parce que moi j'ai une lecture évidemment euh, déjà plus, plus panoramique et puis moins émotionnelle et, 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 là, et là ils disent, ah mais oui vous avez raison effectivement, euh, euh, voilà c'est plutôt de les aiguiller euh, sur, sur des faits ou des répétitions ou mettre en corrélation aussi euh, des signes avant coureurs euh, des événements entre eux euh, voilà on, on remet un peu de sens général à tout ça quand on est parfois plus capable de le faire parce que euh, ouais. euh, oui on est on est écrasé par euh, le chagrin les doutes ou euh, ou, euh, ou la colère aussi mmh. est-ce que pour toi quand même il existe un, un libre arbitre que dans les est-ce est qu'il est total, le libre arbitre ou est-ce qu'on est peut jouer et à, à faire un petit peu ce qu'on veut dans des petites... Euh, on a, enfin, une petite large de ma marge de manœuvre Alors, hein euh, tu as, as deux jokers euh, sur cette terre. <laughs> deux, hein. Deux. tout. Hein. Le temps que tu vas mettre à faire les choses ah ouais. et, et l'énergie que tu vas déployer pour ça. Point à la ligne. <laughs> c'est tout, c'est tes cartouches. Et ça, euh, c'est des messages que <laughs> tu as reçus Bien sûr. En... J'adorerais dire que j'ai été euh, euh, dès l'enfance incarnée par la vérité. Non, j ai, j ai, tu sais, je, je me considère toujours comme une espèce de, de journaliste et d'enquêtrice de l'au-delà. Et euh, les défunts sont évidemment euh, euh, mes meilleures sources depuis toujours. Et à travers leurs histoires, ce qu'ils viennent me dire pour les autres euh, ou pour moi, euh, je comprends, euh, je comprends ces, ces, données, euh, ces données initiales. Alors, une question qui n'a rien à voir, mais... Comment tu les entends, les défunts Est-ce que toi, tu les entends d'une façon très très claire où tu fais bien la différence entre ta pensée et euh, bah, quand c'est d'une voix qui vient de l'au-delà Déjà, je ne les entends pas. Je les entends déjà. C'est complètement euh, différent. Ah ouais. Il n'y a, a rien d'auditif. Et c'est d'une clarté absolue. Euh, ma voix euh, mentale, on va dire, c'est du, je ne sais pas moi, du Ré mineur. Euh, quand il me parle, on est en Fa majeur. Ça n'a rien à voir. C'est comme si on était sur une autre portée euh, de musique. Et, euh, et je sais exactement euh, quand euh, je suis en train d'élucubrer mes trucs. Et quand euh, je reçois un message, euh, beaucoup de gens intuitifs euh, diront que c'est un message qui se diffuse comme une boîte dans ta boîte crânienne. Euh, donc ça n'a rien de... Il n'y a, a, a rien qui se passe au niveau de l'oreille euh, finalement. Et euh, oui c'est très clair mais euh, depuis, depuis enfant moi c'est assez clair <laughs> euh, parce que j'ai fermé d'abord la clairvoyance qui me faisait très peur euh, pour euh, j'allais dire... Euh, c'est-à-dire me concentrer sur la clairaudience. Non, finalement, euh, j'ai fermé une porte euh, pour ouvrir une fenêtre. Et en, en, en grandissant, en vieillissant et en, et en prenant ce, cette mission de médium, euh, j'ai accepté de nouveau euh, de les voir, euh, là où j'étais, moi, si effrayée, enfant, de, de les voir. Parce que j'ai compris que ça allait m'apporter euh, de les voir de nouveau énormément d'informations de, de, riches pour mes consultants et, euh, et, voilà, et pour moi-même aussi. Tu arrives à couper facilement quand même Ou alors on peut venir te voir un petit peu quand on veut. Enfin, je parle des défunts, bien, bien sûr. Bien sûr. De, de, de plus en plus, j'arrive à, euh, à, à canaliser, à couper. Euh, je, je, je dis souvent que voilà, quand j'ai fait ma mission de messagère. Euh, euh, je dis, OK, très bien, j'ai fait mon job aujourd'hui. Euh, euh, voilà a, quand, quand on perçoit euh, de façon... D'ailleurs, c'est comme quand tu as appris un nouveau métier, un nouvel instrument de musique, une nouvelle chanson, euh, tu l'écoutes en, en boucle, tu passes toute ta soirée sur ton nouveau euh, PC ou sur euh, ton nouveau euh, euh, clavier de, de, de piano. Euh, aujourd'hui, ça fait partie intégrante de moi. Et donc, j'arrive un peu plus à, à maîtriser les choses. Mais, bien sûr que, mais, euh, pas toujours. Et pas quand je le voudrais et euh, quand j'arrive à bien dormir parce que euh, je travaille beaucoup et que mes nuits, euh, mes, mes rêves sont un terrain euh, privilégié de, de messages aussi, euh, voilà, donc il euh, y, a, y a quand même des, des impondérables que je reçois, que je le veuille ou non. est-ce que tu as l'impression quand même que tes facultés, elles continuent à se développer Ou alors tu stagnes, oui, tu, tu stagues, voilà. bah es déjà très haut, hein, mais voilà j'y travaille je veux, je veux... pour moi c'est un outil qui se travaille et euh, j'essaye de me mettre en situation de travail tout le temps quand j'ai en situation c'est euh, euh, sortir de sa zone de confort euh, euh, essayer de demander de plus en plus de détails à mes défunts je sais ça paraît fou de, de dire ça mais euh, voilà j ai, j ai, et, et de dépasser mes propres incertitudes euh, parce que je suis quand même assez euh, euh, je doute beaucoup <laughs> on pourrait peut-être pas le penser comme ça mais euh, je, 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 je doute toujours et comme je me Sens garante euh, de, des défunts et que je veux faire le mieux pour eux, euh, chaque jour je travaille cet outil. Mais finalement, chaque jour, chaque famille qui vient, euh, chaque histoire étant tellement différente, bah, je remets toujours les compteurs à zéro et, euh, et c'est comme s'il y avait encore une page blanche et que je réécrivais l'histoire euh, avec mes consultants et les défunts. Donc il euh, n'y a, a, a jamais de certitude dans ce métier, il euh, n'y euh, a que des terrains d'expérimentation. Voilà. Justement, est -ce que je voudrais que. Tu, tu, je suis sûr que tu as posé évidemment la question du temps parce que ça c'est une question moi, que, que j'adore euh, notre temps terrestre, notre temps matériel et puis le temps euh, ben, de l'au-delà euh, comment il est chez eux Moi j'ai déjà eu des réponses en, en écriture automatique, je ne fais pas l'écriture automatique moi personnellement, mais euh, voilà par des amis. J'ai eu, euh, interviewé euh, Philippe Guillemin euh, sur le temps aussi, Philippe Bobola, hein, qui ont c'est à peu près similaire un petit peu ce qu'ils qu en pensent, même si c'est très spirituel aussi. Je voudrais savoir ce que toi, tu as eu comme information là-dessus. Il, il y a une totale distorsion, en fait. Euh, déjà, le temps n'existe pas de l'autre côté, le temps n'est que, euh, que terrestre. Je trouve que les meilleurs témoignages sont ceux des expérienceurs, euh, ceux qui ont fait des, des, des EMI, expérience de mort éminente, et qui euh, voilà, sont, ont parfois un arrêt cardiaque de 3-4 minutes, euh, maximum 15, ce qui est déjà pour le coup corps humain énorme et, euh, et, euh, et en fait ils le racontent, euh, ils le racontent parfaitement bien c'est à dire euh, qu'ils euh, comment dire ils, ils peuvent te raconter une heure de récit ouais. de l'autre côté euh, alors que bah, en temps terrestre euh, ils se sont euh, évidemment euh, entre guillemets endormis en, en ou, ou quelque temps je vais donner un exemple très personnel pour pouvoir pour, pour étayer ça euh, quand j'ai euh, ma mère m'a envoyé beaucoup de signes au, au, au moment de son départ et donc de son décès. Euh, J'en ai eu beaucoup, beaucoup, euh, vraiment euh, énormément, mais moi, je voulais aller parler avec elle. Ce qui ouais, m'intéressait également en tant que médium, c'était de pouvoir avoir un, un véritable dialogue. Euh, et euh, à chaque fois que je, je tentais cette connexion, elle était assise euh, sur un banc en marbre dans un espèce de parc euh, qui ne correspondait absolument pas à un décor ni de mon enfance, ni de ma vie, ni de la sienne. Hein. C'était vraiment comme si j'arrivais sur un, sur un plan, euh, voilà, sur sur, sur un autre plan et euh, j'ai attendu 7 à 9 ans terrestre oui. et quand je lui demandais ce qu'elle faisait je lui disais mais maman qu'est-ce que tu fais là Elle me disait je réfléchis et j'ai besoin de temps pour moi. D accord, d accord. Ah, dans ma tête, je me dis, euh, ça fait longtemps, ah, même. Euh, euh, voilà, elle avait besoin de. Euh, je précise que elle, elle, elle a mis fin à ses jours. Euh, euh, elle, elle avait besoin de, de, de ce temps d'introspection. Et euh, de façon terrestre, on n'arrive pas du tout à comprendre ça. On se dit, attends, euh, petite semaine de vacances et ça va aller mieux. Oui, voilà et, et je la voyais dans, dans ce besoin de de de, de, de 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 se mettre dans cette capsule là je ne sais pas comment dire hein, trouver c'est difficile et à partir de ce moment là en effet elle a été euh, elle a été euh, comment dire euh, elle, elle, elle a été en mesure et en capacité de, de communiquer avec moi par différents biais d'ailleurs voilà c'est exactement cette, cette notion de temps Alors, comment, comment ils arrivent comment tu arrives à expliquer? Que avec un temps très différent, alors ça, ça va être une réflexion d'humain sur Terre, hein, ce que je veux te faire. <laughs> comment ils arrivent à avoir un tel timing Parce que les synchronicités, elles arrivent toujours au moment opportun les signes, ils arrivent au moment opportun. Comment, comment ils, ils se calent à notre temps terrestre La force de notre pensée euh, c est, c est, en fait la pensée est une, est une énergie qui circule j'ai envie de parler comme de la vitesse du son de la lumière, euh, nous, nous réfléchissons et nous pensons, d'ailleurs ça serait je n'ai pas les chiffres hein, mais je ne sais pas euh, en combien de temps on a le temps d'émettre une pensée, ça doit être un millième de seconde j'en sais rien en fait, il faudrait euh, ça serait passionnant de voir euh, d'une pièce à une autre, tu sais ce qui serait passionnant euh, ça serait de voir si deux télépathes étaient capables de discuter ensemble combien de millième de seconde il faudrait pour qu'à instant T ils reçoivent le message de L'un ou de l'autre, je pense que ça doit se compter en, pff, en millième de seconde, en micro millième de seconde, et eh bien la force de connexion avec les défunts, c'est exactement la même. Ouais, mais le temps n'existant pas, c'est ça aussi qui. même si c'est très rapide. Oui, mais comme, comme ouais. le son, comme la lumière, comme euh, la musique, comme mm -hmm. le souffle, c'est pas une histoire de, de temporalité, euh, c'est une histoire de rapidité. Je, ouais. je, je, je vois comme ça, ouais. D'accord, ouais. d'accord. Et euh, est-ce que tu leur poses des questions euh, euh, ben, ben, sur leur strat Qu'est-ce qu'ils font là-haut Évidemment, avec ta maman, je suppose que tu as dû en poser pas mal. Euh... Ils sont quand même très rétifs. Euh, ah ouais, ouais on, on... parce que moi, j'ai fait chier tout le monde. Hein, <laughs> voilà. euh, j'ai une petite position un peu privilégiée. Je me dis, attends, vas-y, je, euh, je vais aller leur poser la question. Euh, ils, ne, ils ne répondent pas toujours. Ouais. Ouais, ouais, ils sont très sélectifs euh, euh, sur ce qu'ils font. Euh, donc, j'ai pas, pas toujours les réponses. Euh, j'ai compris que euh, certains se lançaient d'entrée de jeu dans de grandes missions spirituelles, euh, d'autres continuaient d'accompagner euh, ceux qui euh, les entouraient, d'autres avaient vite besoin de retourner euh, euh, dans une incarnation terrestre. Mais c est, c est, ce sont des bribes parce que j'ai évidemment la sensation qu'il euh, y a tout un tas d'informations de, de, que nous ne devons pas avoir. Mmh pour ne pas gêner euh, notre, euh, notre incarnation terrestre, mais parfois, il, parfois ils, viennent le dire, euh, ils viennent le dire spontanément. Mais tout à, à l'heure, tu as parlé quand tu as parlé de ta maman, tu as parlé de bulle, tu l'as à peine dit comme ça. Mais moi, c'est un mot que j'ai entendu, euh, ben, pareil, quand j'ai fait de l'écriture automatique, oui. on parlait, euh, notamment, j'avais eu une connexion avec, avec ma maman, qui disait, non, je suis dans ma bulle, Avec, euh, elle avait créé sa propre réalité. Oui. Euh, mais tu as le même, même genre d'information c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. De, de recréer des espaces, de recréer des décors, de recréer euh, des lieux aussi, parfois euh, euh, tout à fait, tout à fait de recréer des bulles. c'est exactement ça. Euh, avec ma maman, on allait faire le marché euh, les mercredis matins quand j'étais euh, enfant et qu'on n'avait pas encore, on plus pas encore l'école, non plus l'école le mercredi. Et, euh, et euh, il m'est arrivé d'aller la retrouver euh, sur un plan, euh, euh, voilà, invisible et énergétique. Et euh, elle, était, euh, elle était dans un, dans un marché, euh, mais pas du tout euh, le marché de Normandie euh, sur lequel on allait. Et elle portait un pull rouge, un enfin, gilet rouge, pardon. Et ce gilet était vivant. Je ne sais pas comment expliquer ça. Euh, C'est comme si euh, sa couleur, sa densité euh, euh, n'était en rien comparable à, à, à bah, le pull rouge qui est dans euh, ma commode et qui euh, voilà que je mets euh, de temps à autre. Tout était euh, euh, multidimensionnel et tout était euh, voilà c'était c'était une autre réalité, c'était une autre dimension euh, avec à la fois des décors qui correspondaient à notre univers commun, mais euh, des lieux et des réalités qui étaient euh, nouvellement créés. Oui, c je, je suis okay. Et la, la création dans l'au-delà est instantanée Oui. Exactement, elle ça, est Ça doit être génial, en fait. De la oui. même façon qu'ils arrivent à nous instantanément euh, sous l'apparence euh, qu'ils désirent euh, avoir pour nous. Euh, moi, en tant que médium, c'est certainement euh, pour comprendre euh, comment ils sont partis, euh, comment ils ont vécu. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de particulier, pour que, euh, quelque chose d'identificatoire pour que je puisse le délivrer euh, à mes consultants Et en règle générale, ils arrivent euh, dans la forme euh, physique ou l'âge, qui correspondent très souvent à la période de leur vie terrestre durant laquelle ils ont été les, les plus heureux. Voilà, mmh, donc, il y a une différence entre le souvenir que l'on garde d'eux et l'image terrestre qu'ils veulent nous, nous projeter et qui correspond pour eux à leur référentiel de bonheur. Voilà. Mmh. Alors il y a des, des petits moments dans la vie de, 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 chaque, de, chacun, de chacun de nous où on peut rencontrer nos défunts. Tu parles dans ton livre des songes. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, des songes ce <laughs> moment privilégié. J'ai dû en claquer 200 pages, Philippe. Qu'est-ce qu'un songe déjà? Alors je précise que le mot songe euh, n'est qu'un terme littéraire utilisé par les romantiques pour parler des rêves. C'est-à-dire le mot songe pour eux c'était la partie poétique du rêve. Mais théoriquement c'est la même chose qu'un rêve. Mais c'était pour essayer de faire distinguer le lecteur du rêve qui est la fonction onirique euh, qui est euh, qui permet à notre cerveau et à notre psyché euh, tout un tas de fonctions essentielles pour le bien-être euh, psychique de de tous ceux qui rêvent euh, comparé au songe qui est la venue spirituelle. Dans un cadre onirique de l'invisible qui vient déposer des messages. Je ne sais pas si j'ai été. Ah bien oui, oui, complètement. Très bien. Parce que le rêve a une véritable fonction pour notre corps, sinon nous, devrions, nous deviendrions fous. Alors je, je rassure tous ceux qui disent Je ne me souviens jamais <laughs> de mes rêves. Oui, mais vous rêvez quand même. Hein, donc ne vous inquiétez pas. Euh, malgré tout, c'est d'abord une fonction expiatoire, un défouloir émotionnel, un réajustement des tiroirs de notre subconscient. Mais le songe, il intervient à un temps très précis, le sommeil paradoxal qui ne constitue que 25% de notre sommeil en règle générale et encore si tu as réduit ta nuit, ça sera encore qu'un pourcentage très réduit parce que nous sommes entre le réveil et la fin euh, du sommeil profond, donc il nous place dans un état modifié de conscience onde alpha du cerveau particulièrement réceptif au plan de l'invisible et durant lesquels en plus nous sommes en état de sommeil donc loin de j'ai peur que papy arrive, loin de ça n'existe pas tout ça est fou et durant lequel ils peuvent se manifester quelques instants euh, de façon parfois concrète, c'est-à-dire qu'on les voit, on les entend, on les perçoit euh, ou parfois de façon prophétique. Il y a beaucoup de gens qui font euh, des rêves prémonitoires et, euh, et qui euh, peuvent ensuite s'en souvenir et euh, être prévenus euh, d'événements euh, forts pour eux ou pour les autres euh, qui se dérouleront dans les mois, jours, semaines à venir. Voilà, c'est ça euh, ce, qu a. ce que j'appelle un songe, je voulais le distinguer. Euh, mm -hmm. Du rêve. Et est-ce qu'on peut les provoquer ces Donc, songes En tout cas, on peut les, on peut travailler, euh, travailler à ça. Euh, je parle beaucoup dans mon livre de ce qu'on appelle les rêves d'incubation. Euh, nous n'avons rien euh, inventé. Hein. Les Égyptiens ouais. avant nous. Euh, avaient créé des temples, des, des, de ce qu'ils appelaient les lieux d'incubation. Au départ, c'était pour euh, évidemment se guérir, se soigner des maladies. Euh, on s'en référait euh, à l'univers polythéiste aussi, encore une fois, euh, chez les Égyptiens. Et donc, on priait le dieu pour la guérison. Mais au-delà de ça, on notait, on visualisait, on demandait et on allait dormir dans ce temple pour aller favoriser la réponse des dieux qui allaient euh, nous prodiguer une réponse, nous expliquer pourquoi nous étions malades et parfois trouver la pharmacopée euh, qui allait euh, convenir. Euh, et donc, on, on a gardé euh, cette culture, euh, notamment dans le monde oriental encore. Ça se fait beaucoup au Liban. Euh, euh encore aussi un peu en Grèce, où on tient son petit euh, carnet des rêves où on va formuler euh, euh, ses questions avant de s'endormir, y coller des photos, enfin voilà, se préparer au sommeil euh, pour pouvoir préparer mmh. notre psyché à la question qu'on lui a posée et euh, bah, dès qu'on est réveillé, de renoter dans ce même petit carnet euh, les réponses apportées sous forme de puzzle. Ça, c'est ce qui permet de préparer notre esprit euh, à dormir utile, si je puis dire. <laughs> dormir utile, j'aime beaucoup. <laughs> dans, déjà que dormir Dormir est plus qu'utile et essentiel pour notre organisme, mais là c'est pour notre, pour notre subconscient. Et évidemment avec tout un tas de précautions avant ça, c'est-à-dire s'être délesté du fardeau émotionnel de la journée. Si on vit des journées trop fortes émotionnellement, avec des chagrins, des déceptions, des angoisses, des peurs, théoriquement il faut aller au rêve d'incubation euh, avec un, un esprit totalement libéré euh, de ses contraintes journalières ou mensuelles, si on, en est, si on est dans des périodes trop lourdement chargées. Pour pour nous, on est, on est, le, le rêve va servir déjà aussi de défouloir émotionnel euh, de ce que l'esprit n'aura pas eu le temps d'évacuer en journée. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Donc, il euh, y a tout un tas euh, de, de, comment, de dispositions dans lesquelles on peut se mettre euh, pour, euh, pour rêver au, utile et au mieux. <laughs> comment tu vois le monde, toi Est-ce que tu le vois comme un, bah, je sais pas moi, un gigantesque coordinateur parce que tu parles dans ton livre, tu parles de numérologie, d'astrologie. Il enfin, y a tout qui... Comme si, euh, comme si on était tous balisés, pucés, enfin de là-haut hein, bien sûr, euh, pour, pour, euh, bah, pour accomplir telle ou telle tâche, euh, parce qu'on est né à tel moment, parce que euh, les, les planètes étaient à tel endroit. Est-ce comme un ordinateur qui calculerait tout en temps réel C'est un, un truc de fou. Comment tu vois de ça toi en fait, c'est à l'envers. C'est-à-dire ah. que la Terre est, une, est, un, est un lieu d'exercice, est un lieu de travail, ouais. parfait pour ce que nous sommes venus euh, travailler sur Terre avec la mission qui nous incombe. Si l'on tente à essayer de se souvenir de la mission qui est la nôtre sur cette Terre, ouais. tout ce que tu viens de citer, c'est-à-dire la numérologie, l'astrologie, notre date anniversaire, notre prénom, euh, qui... la chiromancie, voilà. <laughs> qui sont nos parents, qu'ils ont vécu l'histoire de nos ancêtres, avec tous ces outils-là, nous sommes particulièrement en mesure d'aller rechercher et retrouver la mission qui nous incombe. C est, c est, c est, c est un, ce sont des mmh. outils sémiologiques. Mmh, et ce n'est pas parce que tu es arrivé que Uranus a dit merde à Saturne en mois de juillet, etc., que ça détermine ta mission. Comprendre ta mission à travers les astres ne fait que te confirmer que tout était parfait pour que tu vives cette mission. C'est. D'accord, c'est à l'envers de ce que je pensais mais en tout cas bon. mais, mais merci de l'explication. Est bon. Super. Est-ce bon. <laughs> Est que tu veux comme oui. pardon, si j'ai besoin de vivre euh, l'équilibre et de trouver la tempérance, eh bien chouette, je vais être gémeaux, comme ça je vais foutre tout un tas de conneries et mmh. je vais être euh, balancé dans les extrêmes, c'est le signe idéal pour travailler la tempérance. Mmh. d'accord. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes Avec plaisir. Alors, avant. de timing, Avant de passer aux questions des internautes, je vais faire un petit exercice qui n'est pas très évident pour moi. Je voulais vous dire que euh, parce qu'on vous demande pas d'y croire, le livre que j'ai coécrit avec mon ami Laurent Jacques Coste est en vente libre dans vos librairies préférées. Alors, ce livre, bah, je vais vous expliquer un petit peu. Hein, ça retrace mon cheminement personnel les successions de coïncidences, de rendez-vous improbables, qui m'ont amené à créer ma chaîne. Et puis, bien sûr, il y aura mes questionnements et les réponses qui ont fait écho en moi à travers les nombreuses personnalités que j'ai interviewées et qui m'ont servi de guide. Alors, c'est un livre, évidemment, dont je suis très fier. Je le rappelle, il s'appelle Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire. C'est sorti chez Le Lotus et l'Éléphant. Et puis, vous trouverez différents liens pour vous le procurer dans la description. De la vidéo. Voilà, j'ai je, je, fini mon exercice qui était un petit peu compliqué pour moi, mais ouais, je vais lancer le générique des questions des internautes. <laughs> voilà, ouf, ça y est, j'ai fait mon petit exercice. <laughs> tu tu l'as bien fait. Ah bah, il, merci. il est sorti déjà Oui, il, ouais, a... ouais, il est sorti. Ça, il y a une semaine qu'il est sorti. Ah, voilà, c'était l'info qui manquait. <laughs> il est sorti, on peut le trouver partout. La... Non, bah, je ne vais pas te donner de. Voilà. Il y a tous les liens dans la description de la vidéo et il y a le choix. Hein. <laughs> Alors, il y a beaucoup de questions, évidemment, tu t'en doutes, Anne Je ne sais pas. Ah ben, je... Ouais. Alors, je peux te dire qu'on est 1005 là, à regarder la vidéo là, pour l'instant. Donc, euh, tous en direct. Donc... <laughs> merci, merci à tous. <laughs> Alors, on va commencer. Alors, où, où commence-t-on Alors. Je... Alors voilà, ben, c'est parti avec. Ah, je crois que c'est oui, bien des questions pour Anne. <rire> <rire> oui, que ça tombe pas sur les questions de l'invité précédent quand même, c'était pas. Bah, si c'était des questions sur la biologie, on est mal barré du coup. C'est Et... ça. <laughs> Alors, il y a un petit message de Christelle, non, ça va, c'est encore. Encore. Voilà, non, c'est bon, allez, c'est parti. Alors. Pensez-vous, c'est madame qui pose la question, okay. pensez-vous qu'on a le pouvoir de déclencher des choses avec l'intention Bien sûr. En tout cas, on a le pouvoir de rassembler au mieux toutes ces énergies pour qu'elles soient convergentes vers un but précis. Euh, on parle parfois de, de visualisation, etc. Mais, mais à partir du moment où on a déjà formulé une demande claire, eh bien, cette, euh, cette réalité existe déjà quelque part. Nous l'avons déjà créée et effectivement avec la force motrice mmh. de la volonté, de l'intention, de la parole. Il y a quelque chose de rituel et de prophétique dans ce qu'on fait et qui nous permet évidemment un champ de réalisation plus clair et aussi plus euh, qui nous permet de voir des grandes directions à prendre. Oui. Mmh, D'accord. Euh, Ange qui pose la question suivante. Si on refoule ses dons, ah. qu'est-ce qui qu arrivera Qu'est-ce qu'on si on refoule ses dons <laughs> ouais. Eh bien, on passe de mauvaises nuits, euh, très chère Ange. Euh, alors, je tiens, je, je fais de l'humour, mais euh, euh, tout le monde n'a pas euh, pour vertu euh, de devenir médium. Hein, on peut évidemment avoir euh, une intuition très forte, euh, voilà, parce que souvent, on associe ça au fait de vraiment devoir euh, en faire quelque chose. Euh, je dis simplement que refouler euh, ses facultés, parce que j'aime pas parler de dons, déjà, je, je le dis très souvent, euh, c'est se fermer une porte intuitive précieuse pour soi et pour les autres. Euh, Résister ne sert à rien, euh, euh, l'accepter permet de l'intégrer et de, et de parler un nouveau langage, tout simplement. Mmh. À partir du moment où on a des facultés, à ton avis, elles font partie de notre chemin de vie, il faut les exploiter en tout cas, il faut les intégrer. Et euh, si on nous donne une, une boîte à outils, c'est parce qu'un jour dans notre vie nous en aurons besoin. Je trouve très dommage de, de fermer cette porte, parce que qu'est-ce qui fait qu'on ferme les portes À 99,9%, ce sont les peurs, hein, rien d'autre. Hein. C'est pas du tout, euh, euh, voilà, ou le jugement d'autrui, ou l'éducation qu'on a reçue, hein, parce que dans le mot peur, évidemment, il y a tout le package euh, euh, éducatif, spirituel, transgénérationnel, etc. Mais tous les outils avec lesquels nous partons. Début de voyage, nous sont utiles à un moment donné pour avancer mieux. Donc, euh, servez-vous-en avec, avec humilité, hein, évidemment. Euh, les gens ont toujours l'impression que ça y est, on va devenir Superman, Wonder Woman. Ah, c'est vrai, il y, y a quelque chose comme ça, toujours de très élitiste, euh, euh, un peu d'humilité. Hein, euh, voilà, une boîte à outils, c'est bien, son nom l'indique. Tu as une perceuse, euh, tu as un marteau, et bien bah, si tu as pas de marteau pour planter ton clou un jour dans ta vie, ça risque d'être compliqué. Ok. Question de Sandra. Pouvons-nous avoir déjà connu nos guides dans d'autres vies Alors, si elle parle de guides spirituels, a priori oh, non, ce sont je des. Je pense que instances. oui. Voilà, je, je crois aussi comprendre, euh, comprendre ça. Euh, non, il n'y a pas d'existence ou euh, de, de croisement terrestre. Par contre, on a pu avoir peut-être dans une incarnation passée le même guide. Euh, donc, ah oui. il, Continuer de nous accompagner parce que lui, il est euh, dédié à. Euh, on continue sa mission de vie avec lui ou on, on va retravailler les mêmes schémas avec lui. Donc il continue et perdure euh, d'être à nos côtés. D'où peut-être aussi cette notion de familiarité euh, euh, que nous avons avec eux. Et puis au-delà de ça, je dis toujours que c'est notre partie parfaite à nous en fait. C'est euh, notre double euh, angélique. Mmh. Tu as ton guide euh, attitré que Alors, tu connais je... bien comme chacun, on a notre guide attitré. Euh, je, le, je le connais bien parce que je, euh, il fait partie intégrante de moi et de euh, et de l'attention et de l'amour que je lui porte. Voilà, j'en je, je, ai j'en ai pleinement conscience et, euh, et j'ai très souvent besoin de, de, de passer des moments de, de recueillement avec lui et et dans, dans le fait de se livrer euh, auprès de lui. Oui. Quand tu fais des consultations, tu fais appel à lui. À chaque fois ou pas Non, jamais. Euh... Euh, je, je, bon, quand il s'agit de consultation médiumnique et de contact avec un défunt, évidemment, je laisse la place euh, au défunt. Euh, quand il s'agit euh, aussi de lecture, hein, de lecture d'âme euh, ou de lecture de vies antérieures euh, je laisse les guides appropriés euh, me mener jusqu'à la porte de la bibliothèque pour me donner deux, trois petits feuillets, pas euh, ah. plus en général, mais qui seront des feuillets très certainement utiles euh, pour mes consultants. Ok, Marilyn qui demande, savez-vous lors d'une consultation si le défunt censé venir pour le consultant, ne vient pas, ou plus si la cause est-il qu'il s'est réincarné Merci pour votre éclairage. Ça c'est une question, je, je, qui terrorise les gens. Euh, la réincarnation, c'est pas en 15 jours, les gars. Euh, non, mais c'est les gens la sensation que ça y est on repart comme si on faisait un voyage dans un vaisseau spatial. Euh, la, la, la réincarnation est un long process. Et quand je dis un long process, c'est qu'il faut d'abord avoir intégré la vie que nous venons euh, de vivre, d'éprouver. On a laissé derrière soi des membres de sa famille d'âme qui sont sur Terre, les enfants, les petits enfants, etc. Et souvent c'est important pour eux de faire un process complet d'accompagnement avant d'envisager un retour, euh, un retour dans la chair. Donc, euh, euh, oui, parfois, évidemment, il y a des histoires euh, et on en a des très fortes. Euh, euh, vous chercherez l'histoire de la Chanty des vies euh, dont je parle euh, dans mon premier mmh. livre, d'ailleurs, pas, pas dans, pas dans, dans Ces âmes qui guident nos pas. Mmh. Euh, voilà où, où, où cet enfant est, est, la, est, la, est la réincarnation d'un enfant qu'une femme a perdu euh, jadis euh, ça ça a été acté hein, ça s'est passé à New Delhi euh, en Inde mais c'est rare c'est très rare c'est parce qu'il y a des histoires parfois terribles catastrophiques euh, et dramatiques qui euh, nécessitent ce retour dans la chair euh, rapide ou parce qu'il y a une mission euh, et un message à délivrer mais en général je vous rassure nos défunts restent jusqu'à venir nous réceptionner quand ça sera notre heure mmh, mmh. Oh. On revient volontairement ou on est un petit peu poussé Ouais, les deux, mon capitaine. Hein. Oh. <laughs> Alors, les Occidentaux te diront que l'âme choisit avec amour, joie et allégresse. Euh, les Bouddhistes te diront que si tu n'es pas très contente, <laughs> il va comme. Ça, hein. euh, <laughs> <D 'accord. rire> lisez Bardotodol, excusez-moi, mais. Euh, Hein, c'est euh, mec, t'es un petit peu merdé, tu vas y retourner quand même. Hein, voilà. Ça, <laughs> okay. être content d'y retourner. Euh, voilà. Donc, euh, les cultures à ce sujet sont sont, sont très différentes. Dans notre vie d'humain, je tends quand même à dire que là, on y retourne parfois euh, bon gré, mal gré. Hein. Ok. Euh, Amo ouais. qui pose la question suivante. Bonjour, très content de voir Anne dans votre émission. Oui, <laughs> moi aussi je suis très content. D'ailleurs, euh, profitez de l'émission pour vous abonner hein, parce que euh, vous êtes 1074 là en ce moment. Donc euh, voilà, n'hésitez pas si vous voulez voir d'autres émissions passionnantes comme celle que, que nous vivons avec Anne. Donc n'hésitez pas, c'est juste là, là. Allez, tac, là vous abonnez là. Alors, euh, ben, je, je redis la question, donc c'est de Amo. Bonjour, très content de voir Anne dans votre émission. Une question les signes diminuent-ils au fil du temps ou peut-on avoir, en avoir pendant des années Pendant des années pendant, pendant des années. On, on, on pense souvent de façon très humaine que nos défunts se lassent, qu'ils ont autre chose à faire. Euh, certes, ils ont autre chose à faire, mais, euh, mais, mais, euh, mais ils viennent toujours nous accompagner et l'univers sémiologique euh, est toujours présent. Euh, moi, ça fait 19 ans cette année que ma mère est partie et, euh, et euh, j'ai encore reçu un signe d'elle il y a une quinzaine de jours. Euh, voilà, parce que, parce que je l'avais demandé, parce que... C'était un moment particulier pour moi et, et comme à chaque fois, elle se manifeste. Mmh, génial. Merci de oui. Maëlys qui pose une question, tu as répondu tout à l'heure partiellement. Euh, comment ne pas se tromper en interprétant comme signe des manifestations qui n'en seraient pas Alors oui, euh, évidemment. Euh, euh, pas de, pas de mentalisation euh, des choses ça c'est le petit un une charge émotionnelle forte euh, voilà il se passe vraiment quelque chose euh, qui nous déborde parfois une émotion euh, qui nous surprend alors qu'en général on n'est pas du tout du tout dans le moment euh, choisi pour euh, ressentir ça Petit 3, euh, ça se produit très souvent à un moment charnière de notre vie. Un moment charnière, ça peut être une période particulièrement difficile, un deuil ou bien un changement de vie, l'adolescence à l'âge adulte, la retraite, un changement de cap de vie. Je vais changer de job, ça va pas. Donc il y a, y a un carrefour de vie particulier pour ça aussi. Et puis il y a le avant-après, c'est-à-dire que un signe va forcément quelque chose changer, changer quelque chose dans notre quotidien. Euh, on peut l'avoir vécu il y a trois semaines. On revivra le moment avec euh, la même intensité, la même précision. C'est qu'il y a eu un marqueur fort et qu'en général, dans notre schéma de pensée, ça va avoir laissé une trace. C'est vraiment les quatre éléments essentiels euh, du repérage d'un signe euh, et donc en général aussi d'une synchronicité. Ok, on continue avec Sandra. Comment aider au mieux un enfant médium qui est trop empathique à gérer ses émotions et ressentis oui, alors ça c'est difficile évidemment. Euh, déjà, euh, parce que les parents véhiculent ça, euh, ce sont les peurs justement liées euh, à ces visions euh, parfois intempestives qu'ont les enfants ou l'hypersensibilité. Euh, Donc c'est aussi de les, de les rassurer à ce propos parce que souvent les parents flippent plus que les enfants. Oui. Euh, mais oui, qui, qui, qui eux spontanément disent ah, J'ai vu la dame dans le coin de la pièce. Et là, tu as tous les, les parents euh, qui sont en. Alors déjà, ils, qui n'osent plus parler. Il y a une espèce de tabou autour de tout ça et donc ça crée ça crée le doute et les peurs et puis surtout surtout de ne pas sur comment dire sur solliciter nos enfants par rapport à ça c'est-à-dire d'en faire quelque chose de de tout à fait entendable et in intégrable dans notre quotidien pour aider ma fille qui très tôt a eu des manifestations des choses comme ça ouais là les chiens n'ont pas fait <laughs> ça pour le coup je lui avais fait choisir aussi euh, un, un petit signe quelque chose qu'elle aimait bien elle elle avait choisi une petite statue d'un ange qu'on était allé acheter toutes les deux dans une boutique et je lui ai dit voilà ça c'est ton petit talisman à toi euh, dès que les choses te débordent dès que tu as un peu peur tu as le contrôle tu demandes à ta petite statuette parce que ça aurait été trop long de parler du procès de prière de visualisation etc euh, bah, tu lui demandes voilà, qu'elle te protège que tu puisses te reconcentrer sur toi et que tu puisses dire stop quand tu veux et ça l'avait ça l'avait beaucoup aidé donc euh, parce qu'il y a une part justement de choix chez les enfants qui à un moment donné disent bah voilà ça c'est mon ça c'est mon c'est mon amulette c'est mon euh, euh, c'est mon objet fétiche c'est mon petit repère euh, concret dans quelque chose qui ne l'est pas j'encourage tous les parents à faire ça on n'est pas obligé d'y mettre une religiosité euh, quelconque hein. euh, ça peut être un, un dreamcatcher ça peut être un attrape rêve ça peut être euh, ça peut être une petite statue euh, ça peut être aussi une peluche hein, euh, qui soit un peu la gardienne un peu de, de, de tout ça. Et en général, ça leur, ça leur permet de comprendre qu'ils peuvent un temps soit un peu contrôler et aussi se protéger. Euh, maintenant, un empate reste un empate et, euh, et euh, bah, il faut l'accompagner au quotidien sur mettre un peu de distance entre ses émotions et lui. Mais ça, ça n'est pas que l'apanage des médiums. Hein, on est hein. Toi, tu as été aidée quand tu étais petite Tu l'as bien vécu tout ça Absolument pas. J'ai été aidée de rien du tout parce que je n'en ai parlé à. Personne. Personne. <laughs> j'ai géré toute seule euh, mes angoisses, euh, mes, mes, ma vie intérieure, extérieure. Euh, euh, j'ai eu des moments, je pas eu des moments super chouettes, hein, euh, bien sûr. Euh, et j'ai fait euh, d'ailleurs énormément euh, d'eczéma, de psoriasis. Tu gardais tout, quoi. Ah là là j'ai fait euh, tout les chiens les chats les animaux les poils les graminées euh, c'était ma façon à moi de, de, de somatiser euh, quelque chose qui me débordait et qui voilà qui, qui transpirait de moi euh, j'ai mis, mis longtemps longtemps à, à, à sortir de ce process somatique ok on continue avec euh, avec 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 Maëlys encore sommes-nous mis à l'épreuve pour tester notre foi ou notre confiance en nous <laughs> voilà. Déjà, rien que d'être sur cette terre, je trouve que déjà euh, c'est mieux que Colanta. Ouais. On est on est courageux pour toi. On est quand même très courageux. Ah, D'accord. Nous sommes même héroïques. <laughs> Euh, bien sûr que c'est euh, un, un courage. Euh, bien sûr qu'on est. C'est pas. Nous sommes mis à l'épreuve. Nous demandons à être mis à l'épreuve pour pouvoir entendre les enseignements que nous n'avions pas compris et nous montrer aussi de quoi nous sommes capables dans le dépassement de nous-mêmes. Mais je précise qu'on a dit oui pour vivre ce truc hein, au cas où nous l'aurions oublié. <laughs> Hey, mais est-ce que, euh, à ton avis, on était conscient de la tâche qui nous attendait vraiment Est-ce qu'on n'oublie euh, euh, pas un petit ouais, peu quand on arrive là-haut ouais, Je pense qu'il y a un peu de floutage, hein. euh, on est OK. Hein. Tu sais, on te dit, oui, tu vas voir, tu vas prendre un train, un avion, puis un bus, tu vas voir, ça va bien se passer. Ouais. On te dit pas que le train, tu vas le prendre pendant 25 années. Le bus, <laughs> tu vas devoir marcher 12 bornes et te péter une jambe avant d'y arriver. Oui, je pense que les, les, les petits menus détails... Euh, ouais, ouais. Oh. Oui, ouais, oui. On Donc, nous enrobe bien le truc, quoi. Ouais, c'est bien enrobé. <laughs> c'est bien vendu. Bien on continue avec euh, Jessie. Une question. Quand on a un événement, une date anniversaire d'une personne décédée, est-ce que c'est un signe de sa part Quand on a un signe le jour d'une ouais, date oui, anniversaire, oui. etc. Ah ouais. Bah oui, bien sûr, puisque je parlais de référentiel tout à l'heure, de date souvenir. Déjà, mais regardez, quand vous êtes sur une date souvenir, vous êtes évidemment dans la pensée et pour la pensée de cette personne qui a disparu, vous êtes forcément dans l'émotion et donc vous êtes en connexion sans le savoir. C'est-à-dire que sans le savoir, vous vous êtes déjà placé dans une attitude de réception puisque vous avez ouvert les trois points essentiels que sont l'émotion sacrée, le jour J c'est la référence et puis bah, évidemment vous pensez toute la journée à cette personne qui vous manque. C'est pour ça que les signes que l'on reçoit sont plus faciles sur ces journées-là où nous sommes davantage à l'écoute et j'allais dire sensibiliser à celui qui est parti. C'est mmh. en général pour ça. Et puis en plus, c'est une aide qu'on nous donne parce qu'évidemment, si c'est le jour anniversaire d'un tel, on se doutera. Eh, bien oui. Que, eh oui, il y a de fortes chances, évidemment, si on doutait de ça, euh, que ce soit la personne en question qui nous a envoyé ce signe. Ok, Feather of Life, les plumes ah. de la vie, la plume de la vie. Alors, lorsque l'on reçoit un signe via un animal, la question est pas mal, faut-il prêter notre attention sur ce qu'a fait l'animal au moment où il est venu à nous, ou sur la symbolique de l'animal en lui-même. Je pense surtout sur le moment où l'animal se manifeste à nous, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre. Euh, pourquoi tout d'un coup, euh, voilà, l'animal à nous, qu'est-ce que ça génère euh, chez nous Et effectivement, est-ce que c'est euh, à un moment précis de notre vie, de notre journée euh, En fait, c'est encore une fois de façon synchronistique, euh, c'est-à-dire, replacez-vous dans votre contexte émotionnel ou psychologique, que, à quel moment étiez-vous dans votre journée Qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire Quelles questions inconscientes avez-vous envoyées pour que l'univers vous répondre par le biais de de très bons messagers, de très bons vecteurs, que sont évidemment les animaux. Voilà, c'est ça en fait. C'est euh, il n'y a pas de signe qui, qui arrive euh, de façon, euh, on va dire, euh, hasardeuse. Il n'y a eu qu'un terrain de réceptivité qui a été créé sans qu'on s'en aperçoive même parfois euh, le fait que vous soyez. Vous savez, vous pouvez rêvasser pendant cinq minutes sur votre chaise en pensant à quelqu'un qui vous est cher, mais de la même façon qu'un amoureux, euh, de la même façon que quelqu'un que vous ne voyez plus, dont vous n'avez plus de nouvelles, mais ça y est, vous avez ouvert le champ des pensées et bim, comme d'un fait exprès, ouais. cette personne vous appelle. C'est euh, l'énergie synchronistique. Voilà. On continue avec Mohamed. Madame Tufigo, les heures miroirs sont vraiment des signes ou une légende eh ben, Mohamed, <laughs> et Ça, c'est une belle synchronicité parce que. Mais oui. Leur miroir, c'est une, une façon que l'univers a de vous dire, ça y est, regarde, tu t'es connecté à nous, tu viens déjà d'être dans une autre dynamique et une autre dimension, nous venons te répondre que nous sommes au courant et nous voyons que tu es connecté. Et je le dis, s'il vous plaît, parce que j'ai encore eu une jeune femme, c'était quand ça Lundi, euh, qui me disait alors, si c'est 17h17, ça veut dire que euh, c'est euh, du malheur dans ma journée. c'est ah si 18h18, c'est du... Qui arrive. Alors, alors excusez-moi, euh, je ne sais pas où les gens lisent, lisent ça, ou alors, excusez-moi, c'est de la littérature de gare. Euh, pardon, Doreen Virtue, qui a parfois contribué à ce genre de choses. Ça ne repose sur absolument rien, parce que, encore une fois, l'heure à laquelle leur miroir correspondra juste à, à un moment dans votre journée, à vous, c'est quelque chose d'intime et personnel, un chiffre, parce que des fois, on a un chiffre fétiche. Le chiffre fétiche des uns n'est pas le chiffre eh oui. des autres. Donc, s'il vous plaît, ne, ne, ne vous angoissez pas avec de la littérature de comptoir qui tente à prouver que 12h12 c'est moins bien que 14h14. Non, ça, ça me frise un peu la, euh, <laughs> le coaching quand je dis ça, donc euh, je voulais le redire là. <laughs> ok, on continue avec Gaël. Bonsoir à tous. Une question pour Anne Faites-vous des enquêtes médiumniques, notamment sur l'actualité à l'Est par exemple non, je ne fais pas d'enquête médiumnique mondiale. En revanche, je reçois beaucoup de familles euh, sur des enquêtes euh, euh, à vertu euh, criminelle ou de disparition ou euh, de vérité euh, cachée. Et les familles m'apportent euh, tous les documents euh, nécessaires, euh, les documents d'époque. Parfois, il faut le dire, euh, les autopsies. Parfois, les documents euh, qu'ils ont en leur possession. Et nous repartons à rebours euh, euh, sur euh, leurs histoires. J'essaie de, de donner ma contribution pour, euh, qu'ils aient d'autres éléments euh, d'investigation. Voilà, je, je, euh, je vais le dire, mais je pense que de, de nombreux confrères et consoeurs ont dû le dire. Dans les prévisions mondialistes, il y a quelque chose voilà, qui est une distorsion complète, c'est le temps. C'est excessivement difficile euh, de dater euh, voilà, précisément des événements mondiaux. Euh, et donc je ne, je ne m'y frotte pas parce que euh, je, je voilà, angoisser les gens euh, euh, sur l'année prochaine alors que c'est un événement très fort qui peut se dérouler dans cinq ans, on est évidemment tous faillibles en termes de temporalité je trouve ça quand même assez hasardeux et, euh, et, et ça crée bah, des égrégores de peur euh, je ne suis pas sûre que ça soit très bien, bien. Est-ce que tu as déjà été sollicité euh, bah, par la, la, la police, la gendarmerie Oui, mmh. oui. Voilà. Sûr. Okay. Ouais. Ils ne sont pas très friands de le dire mais euh, pas, pas officiellement évidemment Officiellement, bien sûr <laughs> je, le, je le fais volontiers euh, euh, parce que je trouve que c'est euh, voilà dans les boîtes à outils, tout ce qui peut servir euh, sert Ok, on continue avec Maëlie. Savez-vous une discipline de vie particulière Méditation, prière, végétarisme, etc. etc. Oui, euh, je, je, je dis souvent que la médiumnité, c'est comme un être sportif de haut niveau. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, euh, ce n'est pas du tout une vie euh, euh, un peu à la, <laughs> la piste. Enfin, je ne sais pas exactement. Euh, en tout cas, ce qui est au-delà de euh, végétarisme, ou pas, ce qui est mon cas, mais par, euh, à la fois par choix, par goût, etc. Oui. Ah, ce qui est fondamental puisqu'en fait mon corps est mon outil de travail euh, mon, mon apport énergétique est très important pour les défunts puisqu'ils se servent de mon apport énergétique pour se manifester vous l'aurez donc bien compris euh, bien dormir bien manger euh, être dans des règles et des hygiènes de vie en effet avoir cette capacité de concentration et de mise à disposition est fondamental et bien évidemment prendre soin de sa santé c'est-à-dire tout ce qui entache les déperditions énergétiques Énergétique. Euh, éviter évidemment aussi euh, psychotropes, alcool, ouais. tout qui, au niveau des neurotransmetteurs, euh, coupent euh, les facultés médiumniques. Pour moi, c'est une évidence que d'arriver euh, euh, la plus efficiente possible à des séances. Bah, évidemment, je suis comme tout le monde. Un jour, je suis enrhumée. Un jour, j'ai mal dormi. Un jour, je me suis fâchée. Donc, euh, je suis émotionnellement chafouin. Mais j'essaye, parce que c'est une gageure, de se dire je vais être l'outil le plus efficace possible. Et donc, ça peut énormément. Notre mauvaise hygiène de vie, euh, etc., peut énormément perturber nos facultés médiumniques oui, as et comme un sportif hein, mm -hmm. qui, euh, la, son corps aussi et son outil de travail euh, mettrait à mal ses performances euh, s'il si, euh, bah, passe une nuit euh, en boîte de nuit et, <laughs> et qui a fumé deux, deux paquets de clopes voilà, c'est ça libre champ d'imagination on continue avec Virginie Anne explique-t-elle dans un de ses livres comment canaliser ah, comment canaliser non je, je, je ne l'explique pas euh, j'explique plutôt comment développer son intuition euh, pas comment canaliser euh, encore une fois pourquoi parce que euh, canaliser de façon euh, sauvage euh, tu l'as dit tout à l'heure ou en tout cas à travers la question des enfants et des empathes mmh. Euh, parfois vouloir canaliser quand on est fragile psychologiquement euh, quand on est dans un moment de sa vie euh, euh, difficile euh, peut générer énormément de perturbations émotionnelles psychologiques et donc je, je, je me refuse moi de donner le nota bene à tout va. Euh, parce que ça peut, euh, ça peut être vraiment euh, pire que bien. Et je mets beaucoup de précautions là-dessus. Euh, voilà, on est tous à même de développer nos, nos capacités intuitives, euh, canaliser. Euh, ne, ne, ne me semble pas forcément la porter tous à un moment de notre vie et dans ce que ça nous apporte. Voilà. Et encore une fois, parce que canaliser sous-entend, et ça les gens l'oublient beaucoup, une déontologie et une éthique. C'est pas parce qu'on canalise qu'on doit tout dire à n'importe qui et n'importe comment. Voilà. Voilà. Et ça, c'est une règle que je trouve fondamentale, et que à partir du moment, mais c'est toujours dans la, dans la sensation d'avoir un pouvoir quelconque, on, on oublie un peu l'impact terrible que ça peut avoir sur les gens. Alors sous couvert de les aider, hein, sous couvert de dire je, je ressens, j'entends, ça peut être meurtrier, et je dis bien ce mot, ça peut être meurtrier. Donc c'est pour ça que je, il faudrait à la fois Tant analyser ou en tout cas avoir un point de vue sur euh, qui veut canaliser et auprès de qui et de quoi, j'accompagne euh, à titre personnel, euh, individuel, euh, certains de mes consultants qui sont sur la route euh, euh, bah, de futurs thérapeutes, énergéticiens, médiums. Euh, J'en ai supervisé quelques-uns, il faut le dire, mais parce que j'estimais est que euh, dans ce qu'ils étaient, c'était juste. Dans leur capacité psychologique et physique aussi, voilà c'est faisons un peu de cas par cas parce que ça peut être terrible pour les uns et pour les autres. Est-ce que toi, dans ta pratique, tu pratiques depuis longtemps maintenant la, la médiumnité, tu vois, tu as beaucoup, beaucoup eu de consultants, est-ce que euh, tu as appris de tes erreurs s'il y en a eu, ou alors de suite, dès que tu as commencé, tu as vraiment euh, mis sur le tapis qu'il fallait une déontologie, il fallait, etc., etc. Ou alors est-ce qu'il y a eu des, des fois, des, est-ce qu'il t'est arrivé de, de, ben, de faire des erreurs Bien sûr, on en, on, on en, on en commet tous euh, des erreurs. Euh, ça a été, par exemple, euh, certains chassés croisés, c'est-à-dire euh, des membres d'une famille euh, qui venaient ensemble, euh, sous couvert d'avoir une problématique commune. Euh, J'ai appris que euh, réellement, euh, euh, on ne pouvait pas, en tout cas, je me refuse aujourd'hui à recevoir, imaginons, euh, un couple ensemble, mais même un couple séparé. Je prends, si je prends madame, je ne prends pas monsieur, par exemple. Euh, ouais. Voilà, parce qu'à euh, un moment donné, on n'est plus dans l'éclairage on est dans l'informatif et ça peut être évidemment très très tendancieux oui bien sûr au fur et à mesure on affine aussi ouais. euh euh, Mais oui, ça a son éthique, sa déontologie à travers euh, les gens. Euh, j'ai essayé aussi euh, très tôt, de, enfin, j'ai compris très tôt euh, qu'il ne fallait pas recevoir les gens trop tôt dans leur deuil, que c'était très important parce qu'au départ, tu veux bien faire, tu veux les aider, ils sont effondrés. Et en fait, euh, c'est parfois une grossière erreur de le faire parce qu'ils sont encore dans leur process de deuil, dans leurs émotions très vives, et on ne les aide pas à ce moment précis euh, du deuil. Euh, donc, ce recul et ces rencontres avec les gens que j'ai rencontrés dans les associations des deux deuils dans lesquelles je je suis beaucoup allée euh, durant de nombreuses années à travers la France entière. Euh, L'association recevait des gens euh, à n'importe quel moment de leur deuil et euh, quand eux le voulaient. Et j'ai pu observer, euh, selon le temps de deuil, que c'était parfois euh, euh, terrible de, de, voilà, de, de recevoir un message trop tôt. Euh. Et, et, et qu'il fallait faire très attention à ça. Donc oui, oui, bien sûr, ça m'a permis d'affiner mes, 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 mes axes de, de, de ce pour lesquels je dis oui ou à l'inverse euh, auxquels je me refuse. Hmm, Farida qui demande les signes, les contacts, les personnes qui ont et qui développent leurs facultés au jour d'aujourd'hui. Anne, trouvez-vous qu'il y en a de plus en plus et pourquoi est-ce que les consciences s'élèvent? On parle, je parle beaucoup dans mon livre de tous les métiers sémiologiques. On n'a absolument rien inventé. Euh, à l'époque, on ne vivait pas sans regarder un oiseau dans le ciel, un tirage de dés, ce que disaient les augures, les astrologues. Les religions ont évidemment euh, écrasé et éteint euh, tout cet univers sémiologique qui était évidemment taxé euh, d'actes blasphématoires, mais depuis toujours, et, et, et nous sommes à l'écoute des signes, c'est parce qu'aujourd'hui nous sommes aussi euh, dans, dans, je parle évidemment de notre société judéo-chrétienne, hein, euh, nous nous sommes un petit peu amendés des peurs relatives à euh, nous allons brûler en enfer, euh, il est interdit de contacter les forces de l'au-delà, et parce que la société s'est euh, ouverte verte davantage. En tout cas, je parle encore une fois de la, de la société judéo-chrétienne. Euh, si on va en Orient euh, ou si on va en Afrique, euh, euh, parler à ses défunts, percevoir des signes, c'est comme boire, manger, respirer. Mais en tout cas, notre société judéo-chrétienne a un peu euh, cassé ses euh, barrières entre euh, euh, l'église et, euh, et puis les perceptions spirituelles. Donc c'est parce que les consciences s'ouvrent et qu'il y a moins de tabous aussi. Et je remercie, euh, c'est important de le dire. Et, et c'est pour ça que je veux m'inscrire un bleu dans cette lignée on remercie d'abord euh, des Alan Kardec des pères Brune euh, voilà à des expérienceurs les premiers qui euh, euh, ont parlé de leurs EMI en fait il y a eu aussi une grande lignée euh, de journalistes de scientifiques enfin en tout cas de gens cartésiens qui ont décidé enfin euh, de briser le tabou et de parler euh, grâce à leur motion euh, euh, on va dire de crédibilité de ces univers dits euh, un peu hasardeux et, et, et ça a été euh, très salvatoreux euh, Stéphane Alix aussi en tant que journaliste, enfin on peut en citer euh, euh, Nicole Dron euh, euh, que j'adore. Euh, Moi aussi. <laughs> avec, euh, évidemment, euh, avec 45 secondes d'éternité, on a ouvert la porte euh, à toutes ces perceptions qui existent depuis, euh, depuis la nuit des temps. Voilà, il y a eu... Euh, il y a eu des bâtisseurs euh, contemporains euh, qui euh, ont défié un peu le regard euh, d'autrui et l'intelligentsia pour enfin mettre en avant ce qu'on sait depuis toujours. Voilà. On continue avec Laurence. Qu'est-ce qui fait qu'un défunt peut avoir une interdiction de communiquer Est-ce que ça existe d'ailleurs ça L'interdiction de communiquer. Alors il n'y a pas, il euh, n'y a pas d'interdiction euh, de communiquer. Euh, c'est parce que c'est trop tôt euh, certainement euh, pour le faire. Ça peut être aussi pas la bonne personne. Euh, je précise aussi qu'on est choisi en tant que canal nous, hein, euh, pour pouvoir délivrer euh, des messages. Pourquoi Pas parce qu'on a une bonne bouille et que le casting est sympathique. Parce que euh, euh, bah, c'est comme deux personnes qui tout d'un coup ça match ou ça match pas. Et bah, les défunts nous choisissent. Donc il a aussi. Euh, y a oui. Ouais, il y a aussi. Ouais, on est choisi. On est choisi parfois. L'ego, il en prend un coup là. Euh, non, parce que. <laughs> Qui, qui sont parfois relatifs à nos, à ce qu'on aime par exemple j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup d'hommes et de femmes décédés qui viennent me dire toi je t'ai choisi parce que tu aimes la littérature les livres et les poèmes et que moi aussi c'était ma grande passion donc tu vas comprendre mon univers romantique et ça parce que je me dis oui effectivement je, je perçois cette sensibilité donc on est euh, on est dans des dans des énergies communes où euh, toi je t'ai choisi parce que euh, tu sais euh, tu viens d'un univers modeste et tu, tu vas savoir parler de nous en tant qu'agriculteurs. Enfin, voilà, il on est, on est choisi par rapport à, à notre univers aussi référentiel parfois. D'accord. Euh, Michel, est-ce que Anne a déjà fait des voyages astro Alors je ne, je ne fais pas de, je ne fais pas de astrale, euh, de façon volontaire et en état modifié de conscience. Euh, mais la nuit, je me taille. Hein. Ah oui. <laughs> Je me taille beaucoup euh, euh, très souvent. Oui, voilà. Et est-ce que tu as eu des, des, des enseignements Ça, c'est Michel aussi qui pose la question. Oui, j'ai eu des enseignements. Euh... Est-ce que tu t'en souviens après pour pouvoir je... les communiquer à. à oui, je sais pas, je hein crois. J'ai cette chance euh, de rêver énormément, euh, de me souvenir beaucoup beaucoup de, de mes rêves et euh, de d'avoir aussi des voilà des, des, des voyages astro euh, euh, qui me permettent parfois d'avoir des, des visions euh, de l'autre monde. Euh, j'ai pu voir deux de mes guides. Euh, euh, je suis rentrée, euh, j'ai vu le un bibliothécaire des Annales akashiques. Euh, j'ai trouvé ça fabuleux. essayé de le suivre. J'essayais de le suivre dans comme des espèces de d'escaliers en colimaçon et euh, et j'essayais à toute vitesse de le suivre, mais elle allait trop vite pour moi. Et j'ai, essayé en me réveillant que je me suis dit waouh, ouais, mais quel endroit fabuleux c'était, euh, voilà. Mais je précise parce que le problème, c'est que j'aimerais rêver plus, partir plus, mais ma vie de citadine parisienne qui se réveille trop tôt et qui se couche trop tard empêche énormément ces voyages astro. Voilà, c'est ça qui est. Ma, ma plus grosse frustration, c'est celle-là. Et souvent, dans les vacances, quand j'ai des vacances, je me dis chouette, euh, là, je vais aller pouvoir dormir euh, au moins 8 heures. Euh, mon organisme va pouvoir, une fois qu'il aura récupéré, être plus facilement euh, un, un véhicule de transport. <laughs> Génial. Et on va finir avec euh, Rénal Roussel. Euh, ah bah quand même. Qui, qui, qui <laughs> nous dit merci à vous deux que du bonheur cette interview alors un grand merci je, Rénal exactement, je, je, alors Rénal et moi nous ne nous sommes jamais rencontrés alors que on a fait plein d'associations des deuils communes je remercie ce grand monsieur de la médiumnité lui aussi voilà d'avoir ouvert les voies avec sa personnalité, son franc-parler, euh, d'être aussi performant et aussi euh, pour toute cette belle, vraiment cette belle ouverture sur les animaux, parce qu'il mmh. euh, a fait énormément, je ne sais pas, Reynald, si vous en faites toujours, mais euh, des médiumnités, des communications animales. Euh, merci, parce que euh, ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie, euh, le deuil de perdre, euh, évidemment, un, un, un compagnon euh, qu'on aime. Et, euh, et il l'a fait vraiment, euh, et, et, et je crois que ça a aidé beaucoup de, beaucoup de familles. Ça, ça a concouru à, à ouvrir un peu plus les consciences aussi sur le monde animal que j'aime tant et qui me touche tant parce que ce sont de, de, de tels enseignants que euh, merci de les avoir mis à l'honneur. Voilà, j'en profite mmh. parce qu'on se fait des fois des petits messages sur les réseaux sociaux avec Reynald, mais euh, puisqu'il il clôture ce, ce bal, je voulais aussi à mon tour leur remercier. Eh ben, je vais en profiter aussi pour vous dire que Reynald Roussel aussi a une petite part, mais quand même, pas négligeable non plus, dans mon livre aussi donc euh, voilà parce qu'on ne vous demande pas d'y croire donc je le redis comme ça c'est une petite publicité cachée comme ça mais hop. <laughs> en tout cas grand merci Yann je suis euh, voilà, c'était super d'échanger avec toi, merci à toi. Merci. et puis je voulais te dire si encore bravo pour ta plume alors je, je sais pas si je l'ai déjà dit mais euh, il suffit parfois d'un signe est magnifiquement écrit voilà. Ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire parce que c'est, euh, c'est d'abord c'est des, c des heures, <laughs> c'est des heures ah bah. en France, quoi qu'on en dise et euh, et c'est, euh, je, je veux tellement tellement bien faire, essayer de tellement bien transmettre que euh, je suis très très difficile avec, euh, avec moi-même et euh, ça c'est mon plus grand bonheur euh, d'avoir touché les gens euh, parce que quand tu es messagère, euh, tu, tu donnes des messages qui ne viennent pas de toi, euh, prendre sa plume euh, c'est mettre un peu de soi et c'était la... Bah oui, dans, dans ce sens-là évidemment. Euh, je mets de moi, bon, même si en tant que médium, je mets de moi ma personnalité, euh, euh, je me mets à leur disposition, mais euh, euh, là, il y a un peu de moi et euh, il y a aussi une façon de se livrer. Euh, écrire, c'était aussi une façon de, de me livrer, euh, puisque toutes ces familles qui viennent me voir euh, se livrent dans l'intime, dans le terrible, dans, dans le douloureux, et euh, c'était qu'un juste, juste retour de choses de leur euh, donner un petit peu de, de moi-même aussi à travers, euh, à travers les pages. Voilà. Et pour l'anecdote, euh, quand j'ai fait la vignette, euh... Euh, J'avais oublié le R. À parfois, quand même, Alors, en recevant Antifigo prof de lettres, fallait le faire. Merci de me l'avoir dit parce que sinon, trop, mais non, mais quand j'ai mis les posts <laughs> sur les réseaux sociaux, j'ai dit oui, j'essaie il manquait un R. Mais on a dit que tu manquais pas d'air du coup. Ah d'accord. En tout cas, merci à toute mon équipe. Merci à Christelle, évidemment bien sûr, qui a dû avoir beaucoup de travail parce que vous étiez à peu près 1100-1200 euh, en direct sur, euh, alors, je sais pas sur le chat combien vous étiez, mais alors ça défilait, ça défilait, ça défilait. Euh, bravo Christelle d'avoir assuré, euh, je remercie aussi évidemment Laurent Jacques qui est le co-auteur de, de, de mon livre, euh, Cyril, Mathieu euh, qui assure parfois la modération, mon fils aussi qui assure parfois la modération quand Christelle n'est pas là, alors, si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien Paypal dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous. Et puis, n'oubliez pas évidemment de vous abonner. Hein, c'est juste là, en bas. Là. Tac, voilà, j'y suis. Là, tac, là. Abonnez, abonnez. Tac, vous cliquez. C'est gratuit, hein, bien sûr. Donc, et puis, vous ne manquez rien comme ça. Et puis, puis qu'est-ce que je voulais dire aussi Ah ouais, vous étiez avant le début du live 79 257 abonnés. Et tous à me motiver. Et je vous fais 79 257 abonnés. Bisous. Voilà. Alors je vous donne aussi rendez-vous euh, ben, demain, euh, non pas demain, euh, samedi 11 février, euh, pour les personnes qui sont à Ajaccio à partir de 16h, euh, à la FNAC d'Ajaccio, donc pour une séance dédicace de notre livre, parce qu'on ne vous demande pas d'y croire. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi Ah ben oui, euh, demain quand même, j'ai une émission euh, et je recevrai le... Ben, euh, voilà, oui je recevrai Egon Kragel avec qui nous parlerons des ovnis et de leur potentiel danger. Il a fait aussi... Je lui fais un petit bisou lundi, on s'est croisés dans les couloirs d'une émission à venir. Ouais, ah bah super. En <laughs> tout cas, bah Anne, je vais te laisser comme le petit mot de la fin même pour dire au revoir. C'est quand même ouais. normal que tu finisses. Okay. Je remercie, euh, déjà je te remercie pour, pour cette invitation, mais euh, je suis à chaque fois euh, enchantée qu'on puisse faire euh, des réseaux sociaux, euh, voilà, quelque chose de communautaire et de bienveillant, parce que c'est évidemment pas toujours le cas. Euh, et donc je suis, je suis ravie de voir que ça, d'abord que les gens sont au rendez-vous et qu'ils euh, qu sont curieux au sens, euh, au sens le plus positif euh, du terme. Et euh, voilà, ce soir, s'il vous plaît, ne vous endormez pas avant d'avoir fait un point sur votre journée et sur la journée qui va venir. C'est très important de bien terminer sa journée et de se recueillir. N'oubliez pas ça. Merci Anne, merci à tous. Je vous embrasse.